Bonjour à tous. C'est aujourd'hui que s'ouvrent les travaux du 4e sommet Union européenne-Afrique. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est à Bruxelles pour prendre part à cette rencontre dont le thème est Investir dans les personnes pour la prospérité et la paix. Différents sujets dont la paix, la sécurité et les investissements devraient être abordés lors de ce conclave. Éliminer le paludisme dans la sous-région ouest africaine, c'est l'objectif des États et gouvernements de la CEDEAO qui ont décidé d'unir leurs forces pour atteindre cet objectif. Le programme régional de lutte contre la maladie en Afrique de l'Ouest est en passe de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de lutte qui a d'ailleurs fait ses preuves à Cuba. Cette stratégie consiste à contrôler le vecteur du paludisme et à ramener à zéro la transmission de la maladie. Christelle Menon. Le paludisme devra être éliminé de tous les États de la CEDEAO. C'est une des priorités des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique qui a déclaré la guerre à ce fléau en juillet 2011 à Accra. Une nouvelle stratégie d'élimination a été présentée lors d'un atelier régional de sensibilisation. Elle repose essentiellement sur le renforcement de la lutte contre le principal vecteur du palu, à savoir le moustique. Il s'agit de détruire toutes les larves de moustiques par la pulvérisation de biolarvicides dans les sites infestés. L'application sera simultanée dans tous les États et démarrera le 28 mai prochain avec l'implication des forces armées. Les biolarvicides, il faut savoir que c'est un produit qui permet d'éliminer les larves de moustiques dans les rigoles. Donc c'est une politique d'assainissement de l'environnement en Côte d'Ivoire qui va être engagée. Nous savons que les grandes endémies ont été contrôlées avec le concours de l'armée qui a accès à tous les endroits possibles et dans toutes les concessions possibles. L'environnement dans lequel on vit est très important. Il faut attaquer les moustiques quand il est à l'état de larve. Et pour ça, il faudrait qu'on détruise les gîtes larvaires. Et c'est ce qui appelle à l'intervention de tout un chacun, que chacun nettoie son environnement. L'utilisation des biolarvicides s'est montrée efficace à Cuba et en République bolivarienne du Venezuela, pays avec lesquels la CEDEAO a signé un accord tripartite pour renforcer la lutte antivectorielle. Trois usines de production de biolarvicides seront construites au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Au-delà de la production des biolarvicides, ce sont des usines qu'on appelle le 3 en 1. Ça fait les biolarvicides, ça pourra faire les biopesticides et les biofertilisants. On produit par nous-mêmes et on applique par nous-mêmes pour arriver à renforcer les efforts des différents partenaires déjà en cours, la distribution des moustiquaires, les traitements, pour nous assurer qu'on met tout ensemble pour arriver à vaincre ce fléau. Cette stratégie de contrôle du vecteur représente donc un avantage, surtout en termes de développement. Quand on sait, selon les économistes, que le paludisme est à l'origine d'un déficit de croissance annuel pouvant atteindre 1,3% dans certains pays d'Afrique. On estime à 12 milliards de francs CFA par an la perte de productivité liée au paludisme dans les pays africains. La Côte d'Ivoire occupe désormais le poste de premier vice-président de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'annonce a été faite au cours de la 28e conférence régionale de l'organisation qui vient d'ailleurs de s'achever à Tunis. Le pays est représenté à ce rendez-vous par une forte délégation conduite par le ministre de la Production animale et des ressources halieutiques, Kobeno Kwasi Adjumani. Au nombre des sujets abordés lors de la rencontre de Tunis, la place de la jeunesse africaine dans le secteur agroalimentaire, c'est ce que nous dit Hugues Hervé Blé. La 28e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique a réuni en Tunisie 245 délégués représentant 49 pays membres. Les 38 ministres et vice-ministres ont, avec l'ensemble des autres participants, abordé, entre autres questions, celle relative à l'implication de la jeunesse africaine dans le secteur agroalimentaire et le développement rural et à l'exécution du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. La consultation sous-régionale a exprimé les attentes des pays vis-à-vis de la FAO et qui s'articule autour des actions suivantes. Continuer à fournir de l'assistance pour renforcer et maximiser la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire. Appuyer les pays à développer des partenariats avec les bailleurs de fonds pour échanger des expériences, formuler des projets
et informer sur les initiatives en cours. Sa 29e session, la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique a convenu de la tenir en Côte d'Ivoire en 2016. En prélude à cette rencontre, la conférence régionale de Tunis a élu le ministre Kobinar Kwasi Adjumani, chef de la délégation ivoirienne, au poste de vice-président. L'organisation de la session d'Abidjan a été évoquée au cours de l'audience que le ministre Kobinar Kwasi Adjumani a eue avec le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva. L'occasion pour le ministre ivoirien d'exprimer les remerciements de la Côte d'Ivoire à l'organisation onusienne pour son appui au développement de son secteur agricole. Le collectif pour la réunification des syndicats de transporteurs de Côte d'Ivoire adhère au projet de réforme de son ministère de tutelle. Il l'a fait savoir récemment au cours d'une rencontre à son siège à Djamé. Le collectif s'engage à accompagner le ministre Gaoussou Touré dans la mise en œuvre de la réforme visant à assainir et à moderniser le secteur des transports en Côte d'Ivoire. Herman Niami. Les transporteurs du collectif des syndicats de Côte d'Ivoire s'engagent à se mobiliser pour la réforme du secteur du transport routier. Ce que l'État veut de nous, c'est la réussite du transport. L'État aujourd'hui a décidé de nous pousser. Pourquoi aller contre ça? Il faut qu'on soit ensemble. Je crois que c'est d'abord pour notre intérêt à nous-mêmes d'abord. Que tout le monde s'entende qu'il n'y aura pas de grève. Il va y avoir des transporteurs qui seront disponibles pour évacuer les citoyens dans leur travail et les accompagner à la maison. Il n'y a pas de grève jusqu'à nouvel ordre. On est là pour représenter tous les chargeurs. En croire les opérateurs de ce secteur, la réforme va révolutionner les transports routiers tout en laissant entre autres le désordre, la corruption, les délais de délivrance des titres de transport trop longs pour s'inscrire dans la modernité et la transparence. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'accord sur les réformes parce que la gare se constitue les transporteurs, les chauffeurs, les chargeurs et les syndicats. La contrepartie, nous voulons que le gouvernement et n'a qu'à nous aider parce qu'on a perdu beaucoup de véhicules lors des postes électoraux. N'a qu'à aider nous les transporteurs pour remplacer ces véhicules-là. Les transporteurs indiquent donc que la réforme offre au ministère des Transports les moyens techniques pour assurer pleinement la mission de contrôle, de suivi et de sanction des acteurs du secteur. La création d'un conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur privé dans l'espace francophone était récemment au centre d'une rencontre à Bamako, au Mali. Il s'agit d'un cadre d'échange et de coopération entre les nombreuses universités et grandes écoles privées de l'espace subsaharien francophone. La Côte d'Ivoire était représentée à ce rendez-vous par une délégation composée de fondateurs de grandes écoles et d'acteurs du système éducatif ivoirien. Léon Brou pour le commentaire. Les problématiques de l'enseignement supérieur public des pays d'expression française d'Afrique et de Madagascar sont coordonnées par un organisme, le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le cas pour les universités et grandes écoles privées de l'espace francophone. Le professeur Yahya Diaby, fondateur de ESIC Afrique, école supérieure d'information, de communication et de commerce Sisabouaké en Côte d'Ivoire, veut changer la donne. Cette idée de création d'un CAMES, c'est-à-dire d'un conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur privé, puisse exister pour la promotion de l'enseignement supérieur privé dans notre région. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a le CAMES, mais il est bon que nous ayons un conseil, un organisme que nous intègre pour que nous ayons la même vision pour la promotion qualitative de l'enseignement supérieur privé, des grandes écoles et des universités privées dans notre sous-région. Cette rencontre avec la presse a été également l'occasion pour le conférencier de présenter les opportunités qu'offre son école, les diplômes qui y sont délivrés et le partenariat entretenu avec des universités européennes. La deuxième édition des Journées Carrières s'est ouverte récemment dans la région de San Pedro. La rencontre a duré 3 jours et elle a réuni des structures d'éducation et de formation d'élèves, d'étudiants et de déscolarisés. Cette édition 2014 avait pour thème
l'information en orientation scolaire, gage d'une insertion socio-professionnelle réussie. Les explications de Patricia Omoitia. Ouverture officielle des journées carrières à San Pedro. Plus de 2000 élèves réunis au centre culturel de la ville. Pour le service de l'orientation et des bourses, il faut guider les élèves à faire des choix adaptés au marché de l'emploi. Il y a beaucoup de BTS en communication. Il y a beaucoup de BTS en informatique. Ce que je fais comme formation initiale, est-ce que c'est ce que je vais avoir sur, en termes d'emploi lorsque je sors de l'école? La cérémonie est co-parrainée par les ministres de l'Emploi, des Affaires sociales et celui de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Selon eux, tous les secteurs d'activité sont concernés par cette plateforme dont le but est de permettre aux enfants de faire de bons choix. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, les choix sont portés vers l'agriculture, l'énergie et les NTIC, indique Candia Camara. L'exercice, c'était de mettre en face des élèves et des acteurs du monde du travail pour qu'ils leur disent comment s'orienter pour ne pas grossir le rang des chômeurs demain. Les études ont prouvé qu'en Côte d'Ivoire, il y a bien du travail. Il y a du travail pour la jeunesse. Le tout, c'est de savoir s'orienter. La journée des carrières est une manifestation annuelle d'orientation et de conseil sur les études post-bac et les métiers. Hors de nos frontières en Ouganda, le président Yoweri Museveni a réaffirmé son engagement dans la lutte contre l'homosexualité dans son pays. C'était au cours d'un rassemblement à Kampala. La loi contre l'homosexualité est entrée en vigueur en février dernier en Ouganda et cette loi bénéficie du soutien des partisans du dirigeant ougandais. Sont plusieurs milliers à être descendus dans les rues de Kampala à l'appel de différents leaders religieux pour soutenir leur président Museveni et le remercier d'avoir promulgué une loi qui durcit la répression contre l'homosexualité en Ouganda. Sur les pancartes, on peut lire « Museveni, tu es notre héros » ou encore un message pour le président américain Obama « Nous voulons des échanges commerciaux, pas l'homosexualité ». Les relations homosexuelles étaient déjà passibles de la prison à perpétuité. Fin février, le président ougandais a promulgué une loi qui criminalise la promotion de l'homosexualité et rend obligatoire la dénonciation des homosexuels. Devant ses partisans, le président ougandais s'est justifié. Je vais maintenant signer cette loi parce que je suis convaincu, avec les informations à ma disposition, que ces gens ne sont pas nés comme ça. Ils ont appris et ils peuvent désapprendre ce qu'ils ont appris. Soutenu par les leaders religieux, le président Museveni montre qu'il n'a que faire des critiques extérieures et de la levée de bouclier qu'a suscité sa loi anti-homosexuelle. Il estime qu'il n'a pas de leçons à recevoir. Je n'ai aucun ordre à recevoir de quiconque extérieur à l'Ouganda. L'Ouganda est un pays souverain. Les Africains sont un peuple souverain. Notre leader Mwalimu Nyerere a dit lors de l'indépendance que la liberté, c'est aussi la liberté de faire nos propres erreurs. Plusieurs bailleurs de fonds ont gelé une partie de leur aide à l'Ouganda, dont 20% du budget annuel dépend de l'aide internationale. Malgré cela, le président Museveni campe sur ses positions. Pour l'opposition ougandaise, cette décision est purement stratégique. Yoweri Museveni aurait promulgué la loi à des fins électoralistes en vue de la présidentielle de 2016. Parlons de la crise en Ukraine. La Russie n'a pas encore entamé le retrait de ses troupes de la frontière ukrainienne, selon l'OTAN. Alors que Moscou maintient la pression, les Occidentaux se concertent. C'est la première visite d'un responsable de haut rang depuis que la Crimée est rattachée à la Russie. Le premier ministre russe, Dmitri Medvedev, s'est offert un petit bain de foule à Sébastopol. Tout s'est bien passé. Je vous souhaite une bonne santé. Je salue votre peuple bien-aimé. On négocie pour Sébastopol. Moscou veut créer une zone économique spéciale en Crimée pour développer cette région. La Russie maintient la pression sur l'Ukraine. Kiev ne bénéficiera plus de rabais sur le prix du gaz. Gazprom augmente ses tarifs de 35%. Dans le même temps, Moscou fait un geste d'apaisement
et affirme avoir retiré une partie des troupes militaires massées à la frontière ukrainienne. Pas de quoi rassurer les autorités de Kiev. Dans certains endroits, ils se retirent, dans d'autres, ils se rapprochent. Donc ces actions restent préoccupantes car nous n'avons pas d'explication claire de la Fédération de Russie sur les objectifs de ces mouvements. L'OTAN n'atteste pas encore le retrait des troupes russes. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de confirmer que la Russie retire ses troupes. Ce n'est pas ce que nous constatons. Les ministres des Affaires étrangères des 28 pays membres de l'OTAN sont à Bruxelles ce mardi. Ils veulent élaborer une stratégie pour renforcer leur présence en Europe de l'Est. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.